J'ai déjà encollé une première assise. Je vous montre le résultat. Je vais me mettre assise dessus. Et voilà, mon siège encollé. Maintenant, je vais faire les suivants et je vais vous montrer étape par étape comment bien encoller sans mettre beaucoup de colle et réussir à le faire tenir sur la structure. Pour cette étape-ci, je vous invite à le faire dans un moment où vous êtes très calme, où vous n'avez pas d'obligation à droite à gauche. Éventuellement, mettez-vous une émission que vous aimez bien à la télévision parce qu'il y aura des moments où vous aurez vraiment besoin de rester tranquille, à ne pas bouger. Vous ne pourrez pas, par exemple, mettre du poids pour éviter d'attendre, donc vous serez obligé d'attendre et de rester dans des positions parfois un peu difficiles et rester comme ça le temps que la colle soit durcie. Si je deviens et j'ajuste, évidemment j'ai mon pistolet à colle qui est prêt avec mes recharges de bâton de colle. Donc là j'ajuste bien, je vérifie aussi si je suis dans le bon sens. Ici, ce sera le premier point. Là, j'y vais franchement un bon pâté. J'installe et je viens plaquer. Donc je vérifie toujours que rien ne dépasse. Bon, si ça dépasse de quelques millimètres, mais voilà, faut pas que l'assise soit trop décalé par rapport au reste du siège. Et là, pendant que je maintiens, je viens rajouter de la colle. C'est comme les joints en silicone, hein, on y va et puis on essaie de faire un truc propre. On étale bien. Et ensuite on maintient. Il y en a pour une minute et demie à chaque fois de maintien, suivant la quantité de colle qu'on a mis. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre un minuteur et rester tranquillement devant la télé, regarder votre émission préférée pendant ce moment-là. Ensuite, en fonction de ce que je peux atteindre, pour gagner un petit peu de temps,
Là, je sais que je dois m'appliquer, mais en même temps, je vois que là, je peux quand même en couler, donc j'y vais. Méfiez-vous, restez toujours bien plaqué. Ne lâchez jamais le morceau qui est en train de durcir. Même s'il a l'air à peu près bon, vérifiez toujours. Si vous voyez même que c'est encore un peu tiède, laissez votre main sur le siège. Ne lâchez pas tant que c'est pas complètement durci. Parce que si c'est tiède à l'extérieur, à l'intérieur c'est un peu... C'est carrément fondu. Et c'est là que les ennuis arrivent parce que vous croyez que c'est bon, vous lâchez et finalement c'était pas bon quoi et tout est à refaire. Donc là je travaille à côté, mais c'est tous des endroits en fait que je peux atteindre. Par exemple ici je pourrais rajouter de la colle jusque là, mais c'est des endroits que je peux atteindre en maintenant simplement l'endroit là-bas. Le bout qui dépasse, j'y touche pas, je le ferai vraiment à la fin pour pas être touché maintenant en fait. Parfois par exemple, vous voyez ici j'ai un petit jour. Alors il y a toujours, on a beau découper au mieux, vraiment nickel. Ben, il y aura parfois des décalages, alors ben là la colle elle va servir surtout de comblage. Donc là j'y vais par un gros point. Hop. Donc là je maintiens tant que c'est encore... Donc c'est pas encore complètement durci. Maintenant pour l'encollage de l'avant, ici en fait j'ai un petit peu de place, donc là c'est le moment jamais de rajouter de la colle à cet endroit là parce qu'une fois que j'aurai passé le morceau là, bah ça rentrera plus, le pistolet il passera plus, donc là je profite pour rajouter. Là, on injecte. Hein. Tout ce qu'on peut rajouter, on en profite à ce moment-là. Pour y aller franchement, la colle. Ensuite, maintenant. Une étape un peu délicate. Donc là, voyez qu'ici j'ai des espaces. Bah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Parce qu'en fait, le carton, comme celui que j'ai pris, il est tellement difficile à plier que automatiquement ça fait des petites irrégularités. Mais c'est pas grave. Parce que je vais combler avec la colle. Donc là, je me prépare ce qu'il faut. Là, il va falloir aller vite. Vite et avec précision. Donc là, en fait, je vais pas vraiment dans la pointe des trous. Je vais à la base de... Vous voyez, ça fait un petit chapeau. Et quand ça arrive à peu près ici, je ne vais pas mettre là parce que je vais mettre une tonne de colle et ça va servir à rien. Alors que si je vais là, où ça touche avec l'autre carton, j'ai plus de chances que ma colle elle tienne.
et ensuite je maintiens. Là j'en ai pour une bonne minute à tenir. Et voilà les deux sièges. Ça c'était le tout premier, maintenant j'essaie le deuxième. Et voilà. Maintenant, je vais en faire encore deux et après j'aurai fini.